Ma passion pour les statistiques est venue d'autant plus que les chiffres dirigent la décision. Les chiffres ne trompent pas. La statistique, c'est la prise de décision. Et pour pouvoir prendre des décisions, ben, il faut forcément avoir des chiffres. Je suis la première dans ma famille à travailler donc dans les statistiques, à manipuler les chiffres. J'adore. C'est une découverte pour moi et je trouve ça passionnant. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est le fait d'aller même à la source, recueillir les informations auprès des producteurs, les traiter et le résultat, l'impact que cela pourrait avoir sur la durabilité, sur le pays. Since 2012, FAO has been the proud host for the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics to address the decline in the agricultural statistics systems in many developing countries. One of the components is the Scholars for Master in Agricultural Statistics that gives access to young statisticians to up-to-date training. In 2023, 48 scholars from 24 African countries have access to this program and graduated successfully. And we are very proud that 43% of them were women. Comprendre la production, le rendement, il est bien de comprendre dans le cas réel comment est-ce que cela se passe. Par exemple, si vous ne comprenez pas comment la récolte de Nalaka est faite, vous aurez du mal à évaluer son rendement. Je pense que cette compétence me permettra de régler les problèmes de perte post-récolte des producteurs pour essayer d'améliorer la production et les rendements pour le bien de la population. Ce que j'apprécie le plus dans mon travail, c'est l'impact que les résultats auront sur la vie des ménages. Je compte encore approfondir ce que j'ai déjà appris pendant les cours, peut-être dans un cabinet, apprendre encore, performer, et pourquoi pas peut-être partager mes expériences avec d'autres personnes plus tard. Je pense que les femmes doivent de plus en plus occuper les postes en statistique parce qu'une femme éduquée, c'est un avenir qui est assuré pour le pays et pour le continent.